Ouais. Je pense que c'était un poil plus rentable que de l'avoir fait en auto. Et on a pris la place. C'est magnifique. Terminer la bataille. Perte 602, perte 251, ça reste acceptable. On va fusionner les unités qui sont. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux que la victoire au tour. Il y a juste cette unité qui a pris très très cher. On va la fusionner, ça va nous permettre de construire un troisième truc. Je vais peut-être construire un troisième canon. Parce que clairement, j'ai un souci de canon au départ. Mettre à sac. Ok. On va donc fusionner une unité. Je sais pas comment on fait pour fusionner. Peut-être qu'il faut être en comme ça. Comment je fusionne une unité? Alors, fusionner les unités, contrôle. Contrôle plus. Ah, faut que j'en choisisse deux. Ok. Ça, c'est bien. Non, en auto, j'avais plus de pertes, le gardien comédien. J'ai essayé, j'avais plus de pertes tout à l'heure. Donc, non, 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 c'était pas mal là. C'était pas mal. Et du coup, on va reprendre un canon, je pense. Est-ce qu'il y a des. Non, là, il n'y a rien qu'on peut faire. On va prendre un troisième canon. Ok, donc eux c'est bon. Next, là-bas il y a lui donc qui va continuer de venir. Et là-bas va y avoir un gros fight. Ici, ça va être un peu plus violent. Faire une petite sauvegarde. Salut, Arkans. Prendre la partie. Ceci dit, j'ai pas vu, mais j'ai peut-être eu un level up avec les autres. Oui, il y a level up avec Archaon. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? La tempête de feu. Comme ça, on aura 2-20 au prochain level up. T'as commencé avec quel seigneur? Avec Archaon. Ok. Alors là, il y a les deux. Lui, il a ça. Et lui, il a ça. Dans un premier temps, on va aller attaquer lui. Embuscade. Ah mince. On est mal. On est extrêmement mal. On est extrêmement mal. Il y avait une troisième armée en embuscade. Ça va être compliqué. J'ai bien fait de sauvegarder juste avant, hein, parce que là je. J'ai du mal à voir comment on va réussir le fight. T'as combien d'armées? Où en es-tu? J'en ai deux des armées pour le moment. Ça va être le bordel. Ok. Alors. C'est le bordel comme d'habitude. On va rien comprendre parce que c'est une embuscade. Toi, t'as rien de spécial. Vous, vous allez tous. Adieu Sigvald, adieu Crane. On va voir. Ça vous dit pas d'attaquer Là, bah, ça fuit. Là, je pense qu'ils sont assez. Vos guerriers fuient. Non, mais t'es sérieux? On est 3 millions contre eux. Ah, ça, c'est mes guerriers à moi qui fuient. Oh, mais c'est des maraudeurs, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça devrait pas, mais.
Ah bah, c'est en train de fuir. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des cavaliers maraudeurs H2G. Donc ici, il y a le renfort qui arrive. Ah, c'est pas du petit renfort. C'est pas du petit renfort. Faudrait vraiment arriver à nettoyer ici. Ok. Ah, en train de bien se faire démonter ici. Ok. Ça chaote bien, Crane. Ça se fait défoncer bien, surtout là. Vos guerriers fuient, mais faut arrêter de faire ça. Donc ici, ça donne quoi? Eux, j'ai l'impression qu'ils font rien. Mais je vais jamais réussir à les rattraper. Ils vont se déplacer à chaque fois. Après, je peux les empêcher de tirer en faisant ça, mais c'est quand même très relou, quoi. Jamais je ne les rattraperai. Alors, est-ce qu'ils arrivent à se regrouper? Oui. Non, mais j'ai pas de canon et d'archer là. Mais il n'y en a pas en face, je crois. Il faudra arriver à détruire ces unités. Ok. Vos guerriers fuient. Alors après, reste tout ça. Bon, c'est en train. Ça se passe. Ça se passe. C'est pas la fête, mais ça se passe. Toi, tu peux rien faire de spécial, hein, non? Salut, j'en vois. Alors, là, il y a une grosse unité qui arrive. Eux, j'ai l'impression qu'ils font rien. Ils vont aller se taper ceux-là. Eux, ils sont en train de poursuivre un gars, on s'en fout. Eux, vous allez revenir et essayer de tuer ceux-là. Donc là-bas, il y a tout un tas d'unités, mais on a encore du temps. M'embête vraiment ces unités montées. Hein. Ils sont où ceux-là? Là-bas. Ça, ça fuit. Et ça, c'est là. Ok. Et ça, c'est là. Ça. Ah oui, ils font rien. Tiens, viens sur. Viens sur eux là. Ok, on va essayer de se regrouper. Ok. Ah, des ennemis cachés. Alors je sais pas du tout ce qu'ils foutent eux tout là-bas là. Est-ce que vous étiez en train de fuir par hasard? Ce serait bien de revenir. Le seigneur ennemi est blessé, parfait. Qu'est-ce que vous faites? Cette unité là qui me les brise tellement. Donc il y a eux qu'on n'a pas qui sont... Ah d'accord, intéressant. Ils ont fui. Bon, ils vont probablement revenir à un moment. Là-bas, ça a fui. Salut Kelevan. Là, on va vraiment faire en sorte de les regrouper ici. Bon là il y avait des ennemis qui sont presque morts. Je pense pas qu'ils se regroupent avec 8 pauvres maraudeurs. Non, mon Sigval n'a pas de pouvoir. Il n'y a rien du tout. Pas pour le moment en tout cas. Là qu'est-ce que c'est qui fuit? Ce sont des trolls du chaos. Et nous avons Rory Raymond qui sera bonne pour la 4ème fois. 4 mois de soutien, merci Rory Raymond. Des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'on va réussir? Je suis pas convaincu. Ouf. Faut absolument qu'ils reviennent. Ici. Ça va être compliqué, hein. On a... Ça s'est bien passé pour les premières unités. Alors, ici, ça donne quoi? Ils sont en train de fuir. Faut absolument... Elle me saoule, cette... Ces cavaliers maraudeurs H2G, depuis tout à l'heure, ils me les brisent. Ouais, voilà. T'es content? Voilà, regarde, regarde. Voilà. Je t'envoie toute mon armée. Et tout mon amour. Voilà, tous, tout le monde. Alors, eux, j'espère qu'ils vont sortir et pas revenir. De toute façon, il faut que je l'aie. Allez, vous avez pas peur. Vous avez pas peur. On va faire ça parce que sinon on a pour maintenant. Allez. Bah non, ils sont sortis. Ah, par contre, ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Tu es en train de me faire troller complètement par cette unité. Hein. Mais genre complètement. Mais je suis obligé d'y faire quelque chose parce que sinon... Voilà, il va encore détruire une nouvelle unité. On est en super rapide, là. Là, je veux guerrier fuit. Bah ouais, mais bon. Putain, elle me les a brisés, cette unité. Tu fais que des unités montées un jour, tu feras les batailles. Je sais pas ce que t'appelles, là. Là, ils sont en train de se barrer. Alors, est-ce qu'ils sortent de la map? S'il vous plaît, sortez de la map. Sortez de la map. Normalement, c'est bon. Quoique, il est loin, le bord. Hein. On va juste envoyer les chiens dessus. Et on va faire se regrouper tout le monde. Ici. Et ensuite, bah, on va avancer vers eux, là-bas. C'est bon, ils se sont barrés. Et bon. Ça va pas être simple. Hein. C'est quoi les unités bien en vie qui nous restent? Guerrier, guerrier et guerrier du chaos avec Albard. Ok. On a ça qui est à 50%. Et ça va commencer à arriver là-bas. Ça va être, ça... Moi je dis c'est jouable. C'est jouable. Alors attends, moi je les laisserai bien ici. Ici, stop. Où vous allez? Pourquoi vous voulez aller tout là-bas? On comprend pas. Stop, stop, halt. Voilà, ici, ici. On va profiter de ce petit avantage positionnel. On va les laisser avancer. Eux qui reviennent aussi. Normalement, c'est tout. On a tout là. Bon, c'est le bordel. Alors des chiens et des chiens, ok. Et maintenant on attend. Je pense que ça va le faire, mais... Oh, utilisation élevée du professeur Sam. Ça me saoule. Par contre, j'aimerais bien les retourner quand même, qu'elles ne se prennent pas une charge de dos. Ok. On va les retourner. Les chiens, on va les mettre là. Ok. Ok, ils sont en train de se séparer. Il va y avoir une charge. Arrêtez-vous là. Est-ce qu'on les laisse charger?
essayer de les faire venir par l'arrière. Oh, allez-y. Toi, va te taper aussi. Ok, ils sont en train de fuir. On va pas trop poursuivre. On va garder cet endroit qui est stratégiquement intéressant. On va attendre qu'ils reviennent. Et quand ils reviennent, on fera une contre-charge. Par contre, ils vont être embêtants. Alors, eux, ils reviennent aussi. Non, pour l'instant, vous allez rester par là. On va les avancer ici. Toi, je sais absolument pas ce que tu es en train de faire. Non, 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 qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Jamais je vous ai dit de faire ça. Alors, du coup, ils sont de dos. C'est pas bon. Ah, c'est pas grave. Ok. On va faire ça. Par contre, on va faire gaffe. Ils vont se prendre une contre-charge derrière. Demi-tour. Ils sont en train de fuir. Revenez ici. Hop, retour là-bas. Bon, on a à peu près géré les chiens. Et Kamel de Biche qui s'est abonné pour la 7ème fois, 7 mois de soutien. Merci Kamel de Biche, des bisous et bim. Merci beaucoup. Revenez là. Ok. Et c'est là que ça va être extrêmement violent et que je garantis absolument pas ce qui va se passer. Ok. C'est qui ça là-bas? C'est des chiens. Allez. On reste là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas de distance. Non, là, c'est fini. Eux, ils me font un peu peur. C'est pas grave, allez, on va charger. On a peur de rien. On n'a absolument pas peur. Yop, Jericho. Et c'est là que je garantirai. Faire venir par l'arrière. Il y a encore... Oh, il y a encore 5 unités derrière, quoi. Non, mais jamais je vais y arriver, hein. Jamais je vais y arriver. On a des unités qui tiennent encore bien le choc. Ah, c'est quoi? Eux, c'est des unités distance. On va essayer de casser la charge... Comme ça, là, ils sont en train de fuir. C'est bon, ils ont fui, c'est cool. On va pas trop poursuivre. Hop, j'ai dit on va pas trop poursuivre. Merci. On va tenir bon. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Revenez, revenez, revenez les billes. Ah mince, je suis en train de bouger ma fenêtre. Vos troupes ont découvert des ennemis cachés. C'est pas bien. Allez, on va faire ça. Là, on va. Ah, j'ai mal géré ceux-là, mais ils sont chiants aussi. Donc là, c'est en train de fuir. Hop, on les laisse fuir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une unité qui fuit. Victoire. Oh, c'est beau. Ah, oh, c'est beau. Ah, oui, c'était beau. Une embuscade. Données perdantes de base. C'était beau. C'était beau. T'aurais dû regarder la vidéo Bazar du Grenier pour y arriver plus facilement à ce jeu. Attends, je viens de me prendre une embuscade. En infériorité. Contre trois ennemis. Non. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Voilà, voilà. Donc oui, on a pris cher, hein, c'est certain.
mais je suis quand même très fier de moi. Alors, unité renforcée ou de la thune? J'ai besoin de heal. Ken le suprême commandeur. Alors, je peux... Logiquement, je peux l'attaquer. Bon, comme je suis pas sûr, je vais faire une sauvegarde. Non, là, là, il y a du respect. Moi, je dis quand même que là, il y a du respect. Ouais, j'ai fait une sauvegarde. Et je vais voir ce que ça donne. Ok. Je peux le faire en attaque éclair, mais c'est pas mon intérêt. Du coup, on va le faire. On va sauvegarder juste avant. On va faire en auto des fois qu'il me fasse un truc horrible. Des fois qu'il me fasse un truc horrible. Non, ça va. Ça n'a pas tué le Billy. Unité renforcée, faveur. On passe level 13. On a tué Jason Gunnarsson. Et on peut encore aller jusque là. Oh, ça c'est intéressant ça. Voilà. Hop. Voilà. On a obtenu 14, parfait, on va continuer de se heal. Voilà, voilà, affaire rondement menée. Moi je pense que ce qui vient de se passer était extrêmement classe. C'était extrêmement classe. On peut level up, on a 2 points à dépenser, donc on a déjà 1000 points en corruption. Pum pum pum, fils favori, attaquant mêlée plus 3. L'œil des dieux, ah, il a absolument rien lui. Donc, marqué par Slaanesh, c'est le commandement. Ça, c'est l'attaque en mêlée. Ça, c'est des quêtes. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Un V3, où est le problème? Exactement. Bonus de charge. Armure, défense en mêlée, attaque en mêlée. Chercheur d'ennemis. Ouais. Attaque dévastatrice ou se battre ou mourir. Dégâts des tirs, plus 3% pour l'artillerie. Plus 3% pour les bêtes monstrueuses. Ici, qu'est-ce qu'on a? 3%, réduction de la perte de vigueur petite. Attaque en mêlée, plus 3 pour les guerriers du chaos et les maraudeurs. Bonus de charge, plus 3% pour les charges. Alors, il y a avant-garde du chaos qui est intéressante. Réduction de la perte de vigueur qui est toujours intéressant. Ouais. Je peux faire un truc comme ça. On peut faire un truc comme ça. Ok, on est à 19 sur 20. On ne peut pas recruter. On verra pour la suite. Et ici, on est en train de se reposer. On a tout fait. Fin du tour. Ah, il y avait de la maîtrise. Il y avait de la maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Armure unique. Placer des unités de type élu arme lourde dans l'armée du seigneur suivant, Sigvald le Magnifique. Très bien, mais je peux pas. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du heal? Ça va à peu près. Par contre... Ah, mais je peux pas bouger à cause de ça. Donc non, ça change rien. Pas construire un bâtiment, non. Et lui, là-bas, je peux tenter un petit assassinat ici. Oui. Allez, viens. C'est un échec. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, ok.
Donc le but, ça va être de piller et détruire un petit peu tout ça. Mais... Allez, on peut construire du bâtiment. Donc on va se déplacer à 75%. Voilà, ici. Et on va construire du bâtiment. Alors ça, pour avoir les chars du chaos, c'est bien. Ça, c'est autre chose. Et ça, pour avoir les élus armes lourdes, on va faire ça. Pour pouvoir re-recruter. Ok, du coup, est-ce qu'on a un truc à recruter en attendant ou pas? Non. Non, non, non. On va laisser comme ça. Alors, c'est qui, lui? Ah, il est niveau 24 et il a encore des points à dépenser. Donc, il a sa manticore maxée, œil dédié, puissance des armes, résistance aux projectiles, on s'en fout. Et ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui. C'est hyper pas utile, mais c'est pas grave. C'est roleplay, on va dire. Très bien. Alors lui peut se déplacer jusqu'où? Il peut se déplacer jusqu'ici. Ou alors il va nous tuer ce héros. Qu'est-ce que tu vas faire? Sachant qu'ici... C'est quoi le nom? C'est Zoensk. Lui, il peut potentiellement nous embêter. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui reste? Assaut choc de la garnison, allez, vas-y. Succès. Ça fera toujours ça en plus. Du coup, on peut faire ça. On peut se remettre en normal. On n'a pas de bâtiment à construire, pas d'unité à choper. On peut aller là. On le fait en auto. Il leur reste pas grand-chose. Et on va raser l'endroit. Perte 5, ça va, on s'en remettra. Et on le rase. J'ai décidé de tout raser. Ok, donc là, je vais rien pouvoir faire, non. Et l'autre, j'ai déjà agi ou pas, je me souviens plus. Ah non, j'ai pas agi encore. Non, non, je viens de construire, donc pour les guerriers du chaos... Je me remets comme ça. Alors, deux possibilités. Parce qu'il y a peut-être du monde. Et j'ai quand même un petit peu mal. On peut tenter. Il est trop loin. Du coup, je peux attaquer ici. Sauvegarder. Résolution auto. ...27 pertes, c'est acceptable. Ah, on peut réveiller la tribu. On va faire ça. Ça fait un allié potentiel. Et là, est-ce que je peux passer? Oui, je peux passer comme ça. Et je vais pouvoir recruter au passage... ...une 20e unité des guerriers du chaos. Ça ira toujours bien. Ok. Et il est 19h43. Et il va falloir penser au stream sans portal. Oulala! Oulalalalalalalala! Oulala! Oh, vous êtes chiant. Vous êtes terriblement chiant. Vous êtes terriblement chiant. Tiens, vas-y. On va entrer dans la guerre, là. Avec dans le camp des autres, voilà. Comme ça, je peux directement attaquer ici. Ah, je peux de nouveau faire une amélioration. Ça, c'est très très bien, par contre. Du coup, logiquement, c'est un peu moche. Mais si je fais ça, 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 en auto, petite sauvegarde, on peut soumettre. Ok, donc c'est devenu un allié.
Emitu au combat. Level up. Home de Discord. Sur l'unité plus 1. Tout ça, tout ça. Là. Il n'y avait pas un Billy quelque part? Je sais pas où il est. Bref. On va avancer jusqu'ici à un déplacement. 75. Voilà, ici. Et on va régen. Je suis pas sorti de la zone, non, tout va bien. On va régen comme ça et améliorer le bâtiment. Comme ça. On va passer à lui. Qui va nous tenter un petit kill sur lui. Mais c'est un échec. Et donc, on va avancer à 75%, genre ici. Quoique ça se trouve. Est-ce que je peux attaquer? Je suis dans... Non, je pense que je peux pas. Et voilà, fin du tour. Il y a Sigvald qui a un point à dépenser. On était en train de lui augmenter ça. Voilà. Et on n'est pas trop mal. 67 000 moins 2300. Donc c'est ça qui me faisait peur. C'est ça qui me faisait peur et c'est ça qui vient de se passer. Je pense que ça va nous embêter. Ok. Donc Sigvald qui est là. Ça, c'est notre allié. Alors, je propose... Là, on peut recruter quoi? Des guerriers du chaos Albar, des guerriers du chaos armes lourdes. Qu'est-ce que j'ai comme unité? J'ai des trucs bien en fait. Hein. Ça, on a vu, c'était quand même utile. Donc, il faudra encore que je me repose un tour. On va aller. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui. Et normalement, est-ce qu'on est... Ah, je sais pas si on est encore dans la même région. Si, je pense que si. Je pense que si. Bring my mirror shield. Ça, on va pouvoir se heal full derrière. Hop. On n'a pas de quoi passer niveau 3 ici, donc ce sera pour plus tard. Et c'est là que ça va être potentiellement embêtant. For chaos. Il y a du monde, hein. Il y a grave du monde. Il y a grave, grave du monde. On va tenter un assaut choc de la garnison. Salut Matriam. Mais c'est un échec. Donc ça nous arrange pas. On est presque full heal. On n'a pas possibilité de construire quoi que ce soit. On va voir ce que ça donne. Oh, ça fait faire un siège galère. Et en attaque éclair, ça ne change rien. On va faire ça. Et on va voir en attaque auto ce que ça donne. Victoire à la Pyrrhus. Mouais. Mouais, mouais, mouais. On a quand même perdu une unité d'élus. On a presque perdu notre Torgodragon Shagot. Après, c'est pas extrêmement grave, mais... 32 000. Je sais pas. On va s'arrêter sur cette action parce que j'ai sauvegardé juste avant. Et du coup, faudra réfléchir. Mais c'est un siège. Un siège. C'est tendu. C'est tendu, c'est tendu. Il y a l'autre possibilité. C'est vu que j'ai moins 3 tours de réduction du temps de siège avec le héros. Ça aurait été de tenter le véritable siège. Mais je sais pas. Parce que le truc là, c'est... Si on se repose, on va mettre 20 ans. À ce heal.
On verra. Bon allez, il faut que je prépare le stream sans pantalon. On va faire ça tout de suite.